Dans le jargon SNCF, ceci est un TGD, tableau général départ, un tableau d'affichage vers lequel se portent les regards des voyageurs lorsque le battement des palettes annonce une évolution des horaires. En service depuis les années 80, celui-ci cessera définitivement de fonctionner la nuit prochaine, mais il sera transféré à Mulhouse, au musée SNCF, la cité du train. C'est un panneau dans une gare qui est emblématique, la gare est classée. On avait envie que ce panneau ait une continuité de vie. Donc on a pu travailler avec nos collègues du musée de la cité du train qui ont accepté de l'accueillir et qui seront à la fois mieux l'entretenir que nous et puis éventuellement le proposer pour des tournages de films. Voilà, donc son histoire continue ailleurs qu'à Tours, mais son histoire continue. Moins spectaculaire, les vieux écrans à tube cathodique sont eux aussi appelés à disparaître. Tout le système d'information aux voyageurs va ainsi être renouvelé. Il va être remplacé par des écrans modernes, environ 35 écrans qui vont être répartis au sein de la gare. Des écrans plats avec des couleurs différenciées, bleu pour les départs, vert pour les arrivées, qui vont être donc plus lisibles pour les voyageurs. Et puis également des écrans d'information conjoncturelle qui vont permettre de mieux les renseigner en cas de travaux, en cas de situation perturbée par exemple. Le grand tableau à palettes sera démonté cette nuit entre minuit et 4 heures pour éviter toute gêne en cette période de vacances et de trafic intense.